Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. C'est pour vous parler d'un jeu que je viens de découvrir qui s'appelle Marvel Strike Force. Bon, là, il est en train de télécharger. Alors, j'envoie l'intro. À tout de suite. Alors voilà, dans ce jeu, il y a des campagnes à effectuer hein, pour monter bien sûr hein, en XP. Alors vous avez à gagner dans ces campagnes. Allez, vous y allez comme ça, vous y allez, hop, vous passez, vous envoyez votre campagne. Et dans cette campagne, vous avez des noyaux d'énergie, vous avez de l'or, vous avez des composants pour monter vos personnages, donc les monter en puissance. Bon, là, ici, vous pouvez le mettre en automatique. Voilà, comme ça, vous pouvez voir. C'est un jeu qui est assez sympa, assez prenant, je trouve, bien fait pour ces personnages. Voilà, on va continuer. Voyez, hein, c'est assez rapide, hein. On monte vite en niveau au début et après c'est un peu plus dur. Vous voyez là, j'ai gagné des noyaux, des XP, de l'or, pardon, là des composants pour monter mes personnages. Voilà. Là, quand vous avez des succès, ben, vous gagnez voilà, des morceaux de personnages. Et de l'or. Là, vous continuez, bien sûr. Vous appuyez sur passer. Vous êtes prêt et vous envoyez votre campagne. Et comme ça, vous gagnerez encore dans si vous gagnez, bien sûr, vous gagnez des morceaux de personnages pour construire votre personnage et le monter au maximum de sa puissance. Bon, ça sera pas dans les premiers temps, le personnage, sa puissance, ça sera sur le temps. Mais vous verrez que c'est un jeu qui est assez prenant. Voilà, automatique. Bon, là, il est perdu. Parce que je ne les ai pas montés. Alors, on va aller les monter. Vous verrez comment on fait pour monter les personnages. Mais voilà, là, vous voyez que le personnage. Là, je peux le monter, hein. Je vais le monter au niveau 3. Là, j'applique. Et je gagne en puissance à chaque fois. Vous voyez, équipe. Voilà. C'est fermé, je ne peux pas trouver d'autres équipements. Je vais changer de personnage. Voilà. Cage, par exemple. Je l'équipe. Je vais le monter au niveau 3. Là, je suis niveau 3. Pour gagner de la puissance. Je peux encore l'équiper. Je peux encore l'équiper. Voilà. Allez, si l'infirmière du chip, je vais aller l'équiper. La montée en niveau. Voilà. C'est fait. Je continue. Vous appuyez sur continuer à chaque fois. Hein. Entraînement. Voilà. Là, vous pouvez voir, je ne l'ai pas montré, mais vous pouvez voir dans vos effectifs les personnages que vous avez débloqués. Et vous avez encore d'autres personnages, bien sûr, avec plus grande puissance à débloquer, comme Black Bolt. Ici, vous avez Black Panther, Cap, Cable, Bullseye, Bouffon Vert, Black Widow, Assassin de la Main, Baron Zemo, Bishop, et j'en passe, et j'en passe, il y en a. Et après, vous faites carrément des alliances avec ces personnages pour avoir des puissances dans les combats par la suite. Vous voyez, vous avez encore pas mal. Bon, tout cela, ils ne sont pas débloqués. Hein. Il faut bien sûr gagner dans les campagnes pour avoir les morceaux qui manquent.
voilà, il y en a quand même encore beaucoup. Voilà, voilà, vous avez tous vu. Alors, hop, on va revenir. On va retourner dans les campagnes. On va refaire la campagne. Hop, on la lance. Hop, c'est parti. Voilà. On va la lancer. Ça va le faire tout seul. Laissez continuer. On va le mettre en automatique. Vous pouvez voir déjà comparé à tout à l'heure. Déjà beaucoup plus puissant. Voilà, c'est terminé. Ah, comme vous pouvez voir, hein, j'ai gagné un éclat du personnage Punisher. Là, un noyau d'énergie, des équipements pour le Punisher. Alors, hop, vous appuyez sur continuer. Normalement, vous pouvez. Voilà. Voilà, vous avez débloqué le Punisher. Vous débloquez le Punisher. Vous mettez de nouveaux effectifs. Vous allez donc continuer. Ou l'équiper, bien sûr. C'est fait ici, vous l'équipez. Après, vous le montez en puissance. Enfin, en niveau plutôt. Monter son niveau et sa puissance. Voilà. On peut encore monter notre personnage. Quand vous avez rempli ces 6 barres d'équipement, vous passez un palier. Là, au palier 1, mais vous pouvez aller jusqu'à plusieurs paliers pour monter après dans les coloris et en de plus en plus de puissance. Voilà, il y a 2 éclats de Hulk, hein, que j'ai récupéré. Là, je peux réclamer. Vous passez de niveau, vous pouvez encore augmenter. Voyez, à chaque fois que vous passez de niveau, vous gagnez de l'or, des noyaux et des énergies pour vos combats. Voilà, il va terminer 10 missions de campagne, il me reste 5 pour gagner encore 10 noyaux, 75 XP, 15 000 d'or. Alors on va déjà monter les personnages au niveau 4. Bon, après, pour ceux qui veulent acheter, hein, il y a des moyens d'acheter, hein, pour monter plus vite. Moi, je ne trouve pas ça nécessaire de dépenser de l'argent pour un jeu gratuit. Avec des noyaux acheter des équipements pour monter vos personnages plus rapidement. Vous voyez, hein, c'est quand même assez simple comme jeu, c'est pas très très compliqué. Voilà. Ici. Voilà. Vous voyez, je monte à chaque fois en puissance. À chaque fois je monte et après je pourrais avoir. Oui, comme je disais, hein, pour après vous pouvez le monter, hein, pour gagner en puissance et encore des. Voilà, vous voyez là, je gagne encore 15 énergies plus des. Voilà, alors on va aller retourner dans les campagnes. Pour le moment, on peut faire que ça. Et après, si je suis bloqué, je m'arrête. Là. Lui, vous le prenez, vous le mettez dans votre escouade. Vous voyez, là, vous gagnez des points de combat. Moi, je trouve que c'est un jeu assez facile. Très bien fait aussi. Et là, après, vous mettez sur automatique. Et vous laissez le jeu, hein. C'est lui qui va faire le combat tout seul. Voilà, passer facilement.
Voilà, après, voilà. Encore gagner encore des XP. Après, bien sûr, ce que vous pouvez faire, alors, je vais vous montrer. Alors, si vous voulez, vous cliquez sur le personnage, vous faites des victoires ici, victoire automatique, vous cliquez dessus. Ça vous prend 48 énergies qui vont vous être déduits ici. Vous cliquez dessus. Et voilà, c'est-à-dire que vous irez beaucoup plus vite, vous voyez, vous gagnez au niveau, vous gagnez encore des énergies, vous gagnez encore des noyaux, de l'or, et vous pouvez continuer. Ensuite, vous pouvez faire pareil pour votre personnage. Pour gagner pareil. 4, hop. Gagner des XP, vous irez beaucoup plus vite comme ça que d'acheter. Et voilà, vous montez encore de niveau. Et je trouve que ça va beaucoup plus rapide que d'acheter et de dépenser son argent. Celui-là. Voilà. Et celui-là. Voilà. Faire de côté. Alors, il me demande de prendre des énergies. Bah, je prends, vous avez déjà. Là, je remonte de niveau encore. Voilà, voilà. Et maintenant, nous allons continuer dans notre lancée, notre progression. Voilà. Allez, c'est parti. Et voilà, nous allons ma maman qui m'achetait quelque chose. Comment dire, qui m'offrait quelque chose en fait. Alors voilà, il charge. Voilà, à vous envoyer le combat, vous embêtez pas. Voilà, vous mettez en direct. Voilà, ça a été rapide, vous voyez. Normalement, on devrait monter de niveau, je pense. Voilà. Voilà, on va jouer pour gagner ce héros. Là, on va le passer. On le lance. Alors voilà, hop, on va avancer, c'est beaucoup plus vite, voilà. Ah, vous voyez, hein, ça va vite, je vais déjà le finisher avec vous, c'est un peu plus vite. Voilà, c'est fini. Vous passez, vous récupérez vos données et puis voilà. Voilà. Oui, c'est quand même un jeu assez simple. C'est juste des petites choses à faire chaque jour. Ah, vous pouvez récupérer, je pense. Non, c'est bloqué. Alors là, je sais qu'on peut changer le personnage, on peut changer le nom aussi. Là, vous pouvez changer votre nom ici. Vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez ici. Ouais, marque commandant, mais après vous pouvez changer. Ensuite, ici vous pouvez récupérer encore, faire des combats pour récupérer des éclats de personnages. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, bah, n'hésite pas à liker, commenter et partager pour me soutenir, à t'abonner à ma chaîne
sans oublier la petite cloche pour être notifié de mes prochaines sorties vidéo et de regarder les vidéos qui apparaissent actuellement à l'écran. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Au revoir.